Bonjour. Ah ouais, c'est un peu sombre, mais c'est fait exprès. C'est pour donner l'impression un peu de Resident Evil, les amis. Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur le petit stream du samedi. Alors, du coup, petit stream un peu exceptionnel, on va dire entre guillemets, puisque c'est un stream un peu genre en retard. Ce matin, il n'y a pas eu de stream. Puisque ce matin, je me suis simplement pas levé, hein, on va dire les termes, je me suis juste pas levé. Donc du coup, il n'y a pas eu de stream. Et là, je suis un peu en retard, j'ai passé une sacrée après-midi. Je vous avoue que j'ai presque mal aux jambes. Il a fait un peu chaud, dehors, je trouve même, il faisait un peu chaud. C'était pas super agréable comme température. Mais là, petite douche froide, puisqu'il faut retourner sur Resident Evil, les amis. Hein, le jeu que j'assume un peu, mais pas trop. Mais pas trop, c'est important de le préciser. À part, non, normalement aujourd'hui ça devrait aller. Normalement. Normalement aujourd'hui. Bien sûr. Non. Normalement, vous savez. Aujourd'hui, ça devrait aller. Normalement, aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok. Alors, j'ai pas fait une. Ah, je suis déçu, j'avais pas fait une. Attendez. Attendez, attendez. J'ai pensé avoir fait une scène moi exprès pour ça, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ok, attendez, je viens de dupliquer celle-ci. En fait, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait. Attendez, attendez, attendez. Ok. Attendez, attendez les amis, j'ai pas du tout tout fait. J'ai pas tout fait. Coucou toi. Appelez les amis. Ça a du flow un peu. Je sais. Je sais que ça a du flow tout ça. Ok, bah c'est parfait. Bah go. Go lancer le jeu, on va voir ce que ça donne. Tu, 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 tu. Alors les amis, pas vous mentir qu'on va pas non plus faire trop le malin. On va y aller mollo un peu. Hein. Clairement. Et puis voilà. Toujours un petit plaisir de sursauter un peu. Toujours un plaisir. Ok, bon. Vous voulez pas? On va baisser un peu le son, hein? Pas complètement, mais pff, moi c'est déjà fort de base, vous inquiétez pas pour moi. Hop. Alors on avait deux sauvegardes parce que c'est parti un peu en couille. Ne me demande pas pourquoi, hein? C'est complètement parti en couille. Moi, je vais prendre celle juste la plus récente. Surmontez vos peurs pour survivre. Ouais, c'est le cas de le dire. Excellent. On va tous crever. Ce que je vous propose. Ok. Alors attendez. Ça fonctionne toujours pas. On va ouvrir la map comme ça. Il faut qu'on avance. Alors qu'on avance, oui, mais comment? J'ai eu quelques petites infos, pas vos mythos. De trucs qui puent la merde. Non, on va être clair et net. Il y a des moments où je vais vous dire, bah, je me suis spoilé parce qu'il le fallait. Je vous dirai quelle partie puisque vous comprendrez facilement pourquoi. Bon, bah, je vais franc jeu avec vous. Il y a des parties où je me suis spoilé et vous comprendrez très très bien pourquoi. Des parties où je vais clairement pas assumer de mon côté. Il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux, mais c'est deux bien bien suffisantes. Il me semble qu'on a une clé. Alors la clé, la question c'est est-ce qu'on l'a sur nous? Ok, elle est juste là, on est rechargé à fond. Et on n'a que 4 trucs. L'objectif qui serait pas non plus dégueulasse et déconnant, ça serait de... Bah limite de pas sauvegarder du stream sauf à la fin, quoi. Donc à savoir dans 1 heure, quoi, dans plus d'une heure. Mais je pense que ça va pas trop assumer ça de mon côté, quoi.
Alors, il me semble, si je me trompe pas, qu'on a accès tout simplement à cette porte-là. Bon, c'est la première que j'aurais été vérifiée. Ok, la clé du manoir. Alors, cette pièce-là, je m'en souviens extrêmement bien. Donc, jusque-là, bah, pas trop d'emmerde. On va avoir des chiens qui vont surgir de ces fenêtres. Mais il me semble pas dans ce sens-là. Jusque-là, normal. On va passer la porte. On va avoir, il me semble, quelques zombies, mais un peu osef. Monsieur? Quelques zombies, mais un peu osef. On va repasser cette porte dans l'autre sens pour déclencher les chiens. Comme ça, au moins, on les aura plus. Et au moins, si on meurt, bah, on meurt maintenant, quoi. Il y en a deux, ils sont très rapides, hein. Donc courage à nous. C'est vraiment de la merde, hein. Ok, ça c'est cool. Toujours un plaisir de mon côté. Peux te casser le clep s'il te plaît? Ou t'as prévu de me tuer? On est dans la merde. Voilà! Donc, bon, on a déclenché les deux chiens, mais on est déjà dans la PLS la plus totale. Voilà. Bon, toujours un plaisir, on est même pas à 10 minutes de stream, quoi. Enfin. Et pour rappel, les amis. Ah, on a ça. Okay. Pour rappel, hein, très important cette pièce. Évidemment. Ah, ça s'est fermé, heureusement, il y a des chiens ici aussi. Alors, on n'a pas de focus du coup sur les chiens. C'est bon savoir. Hein. Les zombies, oui, mais les chiens, non. Pourquoi? Allez savoir pourquoi. Le R ne fonctionne pas non plus pour reload. La PLS la plus totale, quoi. Oui, j'ai baissé un peu le son, excusez-moi, j'assume pas entièrement. Il semblait qu'il y avait des zombies ici. Il y en avait genre 3. Ok, ben bah, je me suis trompé, ça peut arriver de me tromper. Je veux bien le reconnaître. Il y a des zombies ici. Évidemment, ce que je me souviens, je le fais. J'ai tiré, mais c'est pas grave, on va dire que le jeu n'a pas compris. Mais ça arrive que le jeu ne comprenne pas, quoi. Peut-être une balle en trop. T'as une flaque? Ok, il y a une flaque. J'ai tous! Deuxième salle de sauvegarde. Je vais mourir, mais tout va bien. Alors, du coup, ici, nous avons, les amis, un coffre. Le coffre, c'est typique des jeux Resident Evil. Oh, mais il y a tout ça dans le coffre. Quel plaisir. Quel plaisir, par contre, de découvrir qu'il y a tout ça dans le coffre.
En permanence, par contre. En permanence, mais il n'y a même pas de question sur ce qu'on garde ou pas. Je crois que ça, on s'en sert très longtemps. Je pense qu'on peut se permettre de le déposer ici. Et voilà, je pense qu'on est très bien. On va aussi se permettre de prendre ça. Bonjour. Ah oui, 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 on va la prendre la gourde, je pense. Hein. Puis on va prendre ça. Oh, oui, 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 oui. J'avais compris à quoi ça servait la lanterne. Pourquoi ça me détend, je sais pas. Y a pas un couteau, y a rien. Ah ok. Instruction spéciale pour la destruction des cadavres. Nous avons de nouvelles informations sur ces créatures. Bien qu'elles semblent mortes, elles sont capables de revenir à la vie. Il existe cependant des moyens de les en empêcher. Nous connaissons actuellement deux méthodes permettant de stopper la résurrection. Si d'autres méthodes sont découvertes, nous vous en informerons immédiatement. Pour ceux qui ont encore la volonté de vivre, du pétrole se trouve au rez-de-chaussée du manoir. Prenez-en autant que nécessaire. Vous aurez besoin de quelque chose pour l'allumer. Et vous devrez vous le procurer par vous-même. Alors, destruction de cadavres, je ne sais plus comment on fait, par contre. L'incinération, je me souviens très bien. Là, n'est pas trop le souci. On va même la remplir maintenant. Oui, ouais, oui, vas-y, n'hésite pas à la remplir. On n'a pas encore le briquet, mais c'est pas grave. On est comment, niveau matos? Ah, on n'a plus qu'une place. On n'a pas encore de briquet. Bah, si on n'a pas encore de briquet, il n'y a pas l'intérêt de garder la gourde. J'ai envie de dire, vu ce qu'on va devoir potentiellement récupérer après, la limite, OSEF. Y a pas un couteau là? C'est pas un couteau qu'il y a dessus? Un poignard ou quoi? Là, juste là, là. Vous savez, la poignée elle est là, la lame elle est là. Non, pas à mon nom. J'ai utilisé tout ce qu'il y avait dans la map, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. De toute façon, elle est verte, hein. Là ici elle est verte aussi. Alors ici c'est bleu, ici c'est gris, c'est qu'on n'est pas encore passé. Hein. Donc on aurait pu passer ici, on n'y a pas encore été. Il me semble, je dis bien il me semble, que ça c'est une salle de bain, dans laquelle ici il y a une baignoire et un zombie dedans. Ça c'est la salle où on récupère le pompe, il n'y a même pas de question. Et ici on n'y a pas encore été, je crois qu'il n'y a rien, on va pouvoir y aller de toute façon, même si c'est fermé ici, on va y aller. On va explorer un peu ici, on n'a pas été trop loin, là j'ai pas fouillé aussi entièrement. On va fouiller ça, on peut fouiller ça maintenant, de toute façon, le zombie devant la porte est mort avant de sauvegarder. Ne gaspillons pas une sauvegarde pour rien et évitons de faire de la merde et de sauvegarder au bout de 16 minutes de stream, quoi. On est rechargé à fond. Ah là là, la précaution avant tout, les amis. On fera qu'une fois. Elle casse au bout de au moins 3-4 passages, il me semble. Hein. Donc on a le temps de, pour l'instant, de faire ça tranquille. Commençons par la fenêtre là où il y avait les chiens. Putain, c'est une catastrophe pour se diriger! Ah, la catastrophe pour se diriger, quoi. Bon, les chiens sont déclenchés. Normalement, on n'a plus rien à craindre. Si tu m'en remets d'autres, ça serait ce qu'on appelle de la mauvaise foi. Je m'en souvenais. Je vais être franc, je me souvenais qu'il y avait un truc à pousser. Je sais juste plus pourquoi on le pousse, ni ce que ça fait, mais... Peut-être qu'il y a un truc derrière, hein, ça me semblerait logique. Voilà 47 balles. Je viens de me dire que j'ai pas été à l'autre bout de la pièce, ça se trouve il y a encore des chiens déclenchés. Hein. Mais ça m'étonnerait, il me semble qu'il n'y en avait que deux. Putain de merde. Ok. On va en avoir besoin, je pense. Ok, on va aller dans la salle de bain. Qui
Normalement, ils sont censés être plus ou moins safe, la salle de bain. Enfin, il y a un zombie, quoi, mais... Enfin, il me semble, ça se trouve, c'est même pas la salle de bain. Hein. Là, le souvenir, il remonte à Noël. Enfin, ça fait 6 mois, quoi. Où est la porte? Il me semble que c'est une salle de bain ou une connerie dans le genre. C'est juste que j'assume moyen mes propres conneries, quoi. Vous savez, à tout moment, on peut aussi partir sur Pokémon si vous voulez. Normalement, il n'a qu'un. Viens, tu le tues comme ça dans la cinématique et tu me laisses pas me galérer. Merci, Jules. Ça c'est bon. La porte. Go, aller chercher. Enfin, pas chercher. Pas vraiment chercher le pompe, mais aller à la porte du pompe déjà. J'ai peur à chaque porte que j'ouvre. Là, si on prend le pompe, on meurt. On meurt dans cette pièce-là. On va donc éviter, bien évidemment, de prendre le pompe. Sûr. Mais il me semble qu'il y a d'autres trucs à prendre que le pompe. Je sais plus ce qu'il y a d'autre à prendre. Mais... Là, je vois un ruban encore ici. Il y a le pompe, le fameux. Là, c'est le vrai pompe, hein. Là c'est le vrai pompe, faut qu'on trouve un pompe qui remplace. Il y a un poignard là. Moni moni moni, hein. J'allais faire comme ça, mais moni moni moni. Hein. De toute façon si je fais de l'humour, c'est chiant, ça me pisse dessus de toute façon. On va dire que c'est bon. La porte là on va pas prendre le risque. Parce qu'il me semble qu'il n'y a rien, mais... On n'a pas cette clé qui est ici, de toute façon ça ne sert à rien. Pas la peine de tenter de crever après ce qu'on a fait. Je pense qu'on va juste aller sauvegarder et se tirer. Voilà, avec nos rubans encreurs et notre poignard. Mais non, j'ai pas pris votre pompe, hein. Aucune raison de me tuer. C'est bizarre, j'ai le souvenir de zombies dans cette pièce-là aussi, qu'on a, dans laquelle on arrive, donc... Ah, je me pisse un peu dessus quand j'ouvre cette double porte aussi, quoi. Mais tout va bien, quoi. J'ai juste envie de décéder, quoi. Toi, va venir le moment où tu vas te réveiller, je vais commencer à me pisser dessus aussi. De toute façon, il n'y a plus de sang. De toute façon, là, on va sauvegarder, on est arrivé à un stade où on peut claquer une petite sauvegarde, on a bien avancé. Je trouve qu'on a été plus courageux que dans les autres games pour l'instant. Remarquez aussi que je fais plus un sursaut de 3 mètres quand j'ouvre le coffre aussi, c'est une amélioration je crois. Chacun la sienne. Hein.
Il y a une machine à écrire. Voulez-vous sauvegarder? Oui, monsieur. Oui, je vais sauvegarder sur la première, parce qu'on va pas non plus en prendre 30 000. Sauvegarde réussie. Yes! Alors, objectif de ce qu'il nous reste à faire. On peut... Bah non, on va pas tenter cette porte-là, parce qu'on va pas prendre le risque d'ouvrir une fois de plus celle-là. Si jamais on doit refaire le tour, on ira. De toute façon, il faudra forcément qu'on refasse le tour. On a pas mal de portes. Comment on fait pour... Ok. On a pas mal, elles sont toutes fermées. Hein. Ok, bon, pour l'instant, elles sont toutes fermées. Là, faut aller au rez-de-chaussée. Faut aller au niveau 1. Il me semble qu'il y a un zombie au niveau 1. De toute façon, on vient de sauvegarder et j'ai un focus automatique. Chacun sa chance. Il va se lever, je vais pas m'y attendre, je vais crever comme une merde. Donc, pour information, c'était ici qu'il y avait une grosse araignée sur une image que j'avais vue. Et c'est ça qui m'avait fait arrêter en premier lieu le jeu. Où es-tu, zombie? Voilà, j'attends juste que tu te pointes. Pourquoi il se pointe pas? Pire, c'est que je l'entends. Je suis là, frérot. Nickel. Tu te relèves? Tu dois te relever, tu vas te relever. Je le sais que tu vas te relever parce que t'es une merde. Parce que t'es une merde! Il y a du sang qui coule. On peut y aller. Balles maximum, je trouve que c'est... Voilà, selon mon point de vue, c'est... Voilà, c'est pas normal, mais bon. C'est pas... C'est vrai que cette porte, il n'y a rien, donc on va... Peut-être qu'il y a le briquet dans cette pièce, je suis même pas sûr de moi. T'es dans un jeu où t'as pas de boss. Oui, il n'y a pas de boss. À partir du moment où, hop, il y a 30 000 plantes qui nous sont données. Dont les rouges. Et si je me souviens bien, les rouges soignent l'infection. Si je me souviens bien. Il me semble qu'il n'y a rien dans cette pièce, qu'il n'y a pas de zombies ou quoi. Il y a une cheminée sans feu, on peut l'allumer avec le briquet, on n'a pas le briquet, cette porte-là elle est fermée. Voilà, l'emblème d'un casque, ok. Est-ce qu'on a pris tout ce qu'il y avait à prendre dans la pièce à la limite? On a pris tout ce qu'il y avait à prendre même. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de d'informations. On va se tirer de là avant de nous apporter ce que j'appelle communément la poisse. Et on va aller au coffre, déjà. Normalement, si mes souvenirs sont également assez bons, les zombies se réveillent par phase. C'est-à-dire quand on débloque des phases, ils se réveillent. Et non pas au nombre de passages. Donc si je passe deux fois, on s'en fout, tu vois. C'est pas censé... pas censé réveiller les zombies, n'est-ce pas? Ni celui d'en bas, d'ailleurs. Quand ils vont se mettre à courir, là je vais commencer à crier, par contre. Moi je vous le dis tout de suite, putain de rage. Je pense après que 1 heure de Resident Evil, c'est bien quoi déjà, vous voyez. Je pense que faire le reste de Pokémon, c'est pas non plus déconnant quoi.
Mettez la porte ici. Bon, c'est celle-là que je veux. Pas de police sur la porte, on ne peut pas passer. Pas aller là. C'est que celle qui fait demi-tour? Alors que pourtant, celle-là, elle est fermée aussi. Ah, ok, les rouges, on peut quand même tenter de les déverrouiller, ok. Donc celle-là, en fait, je peux tenter de la déverrouiller, en fait. Il me semble que celle-là, elle est verrouillée, mais bon. Tentons. Hein. Qui ne tente rien à rien, de toute façon. Même d'une arme. On est tous plus ou moins ensemble dans cette merde, de toute façon. Comment je me pose si échappe? Ok, il ne doit rien se passer. Qu'est-ce qu'on a ici? On peut pas accéder. Alors ça, c'est la porte du serpent. Ça, je m'en souviens extrêmement bien, par contre. Hein. Très souvenir très traumatisant. Ça, c'est la pièce avec les armures qui avancent et qui reculent. Et ça, c'est le bureau qui, du coup, amène ici. On va prendre cette planche. On va fouiller ce couloir. On va prendre cette planche. Il me semble que cette planche, j'ai jamais compris à quoi servait, hein, dans mes souvenirs. Problème d'une armure. Nini. C'est devenu bleu, peut-être, là? Ok, donc j'ai pris la planche et c'est tout. Je sais plus si ça s'ouvre. On va aller la faire tout de suite. Nickel! Pour l'instant, tout va bien, plus ou moins. Pas trop la merde. Pas trop sursauter en une demi-heure, c'est bien. Ça, c'est le bureau. Je crois que dans le bureau, on apprend ce que, à quoi servent les plantes exactement, il me semble. Et je sais plus à quoi d'autre. Botanique, de l'usage des plantes médicales. Comme vous le savez sûrement, il existe de nombreuses plantes aux vertus médicinales. Depuis la nuit des temps, l'humanité soigne ses blessures et ses maladies à l'aide de diverses plantes. Dans cet ouvrage, nous nous intéressons à trois types d'herbes qui poussent dans les montagnes Arklay et nous décrirons sommairement leurs propriétés médicinales. Chaque herbe a une couleur différente et une vertu thérapeutique particulière. La verte permet de récupérer des forces, la bleue neutralise les toxines naturelles, et utilisée seule, la rouge n'a aucun effet. Nous avons cependant découvert que l'association de l'herbe rouge et de l'herbe verte, l'effet de l'herbe verte est multiplié. Nous vous communiquerons les résultats de cette association de l'herbe rouge et des autres herbes dès que nous disposerons de davantage de renseignements. En attendant, n'hésitez pas à essayer divers mélanges par vous-même, car la vraie connaissance est le fruit de l'expérience. Tout ce que j'avais récupéré ici? Non, clairement pas, hein. Clairement pas, il y a un truc qui brille. Le briquet. GG à tous. Est-ce que c'est tout ce que j'avais récupéré? Non, toujours pas, mais je suis plein. Toujours pas, mais je suis plein. Dis-moi quand même ce qui reste. Ça m'intéresse. Un journal ouvert, les pages sont vierges. Ok. Ça, je m'en tape du journal à la limite.
Peut-être, peut-être. Ici. Ah, le sifflet de merde. Ah ouais, alors, on en a besoin. On va aller le prendre. On va faire le tour. Oh, le seum. Le sifflet. Le fameux sifflet. Sifflet de merde, on peut le dire. On va détruire les cadavres là, qu'on a les deux là. Hein. Ça suffit les merdes comme ça là. D'avoir peur qu'ils se réveillent alors qu'on sait qu'ils se réveilleront pas. Ça suffit 5 minutes quoi. Non mais là vous savez que là je peux souffler parce qu'il va rien se passer. Mais que je stresse comme je stresse rarement quoi. De stresser quand je sors cette putain de planque. Boom baby, boom. Que vous vous réveillerez pas. C'est déjà ça. C'est déjà, non, c'est déjà rassurant. On n'en parle pas assez. On va allumer le feu de cheminée, of course. Parce qu'il me semble que ça ouvre la map ou une connerie comme ça. Donc on va faire ça. Un délire dans lequel je vois. Là, c'est la map quoi, on voit la map là, je peux pas. Pas ben, en fait, on a toute cette partie là qu'on la voit pas. Bah ben, là, on la voit quoi. Je crois. Non, c'est pas la même. Si, il y a le balcon ici, là. Là, il y a un chien ici, là. Et là, on a Richard, je crois qu'on croise, donc, quand même, comme ça. De toute façon, elle est. La porte. Elle est... Je sais pas à quoi ça mène, mais. Elle est comment? Symbole de quoi? D'un casque? On n'a jamais eu la clé du casque dans l'ancienne partie, de toute façon. Oh non, je sais pas où ça mène ici, de toute façon. Peut-être, heureusement, les amis. Façon, je m'en fous, les zombies sont cramés. Ils ne vont donc jamais se relever. On va prendre le sifflet avec nous. Savez, le sifflet qu'un jour, le sifflet qu'un jour on va crever. Vous savez, cette fenêtre qui, je pense, un jour va amener un putain de chien. Je sens mal cette fenêtre, c'est incroyable. De toute façon, toutes les fenêtres, ça pue la merde.
petite envie de mourir quand même là. Petite envie de je sais pas ce qui va se passer ou. Le 1, j'ai que des bribes dans mes souvenirs et deux infos que j'ai, mais c'est tout ce que j'ai, quoi. Ça ne me suffit pas pour être serein, quoi. Viens par là, objet de merde, là. Ça, pire objet du monde. Un mémo chiffonné. Aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution. Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici, personne ne pourrait s'en approcher. Pourtant que je sache, ce corne du diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage, à l'ouest de la terrasse. Et il devrait réappliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerbère sans risquer d'y laisser sa peau. Ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient un objet que Sir Spencer veut dissimuler. Je ne peux confier cet objet qu'à vous. Bien sûr, vous recevrez une récompense. Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps? En échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous le procurer. Nous avons tous deux à y gagner. John Tolman. John Tolman. Ok, John Tolman. Gentleman. Ouais. Allez, hop. Ok. Ah, c'est pas fini? Il y a d'autres trucs à prendre? Ok, apparemment. Ok, ici encore? Ça m'étonnerait. Sur la table, peut-être, ici. Je sais pas ce que c'est, ça. Peut-être du côté du ciel, mais je sais pas si je peux y passer. Comment j'accède de ton côté? Attends. Je peux pas choisir. Je peux pas faire autre chose là. Ici. Non, non, hop, ici. Très bien, great, great everyone. It's a good game. This door. Je pense que je peux l'ouvrir, quoi. Parce que je pense que si je l'ouvre, ça pue la merde, vous voyez. Alors je pense qu'en termes d'idée de merde, ouvrir la porte du balcon est une mauvaise idée. Mais bon, ce n'est que mon avis, encore une fois. Façon, faut qu'on le fasse, quoi. Ah, yes, plus de zombies à l'entrée de la sauvegarde. Ah, c'est drôle, on n'a plus de merde. Ah, excellent, excellent. Je vous propose de garder le briquet et tout ce qu'on peut sur nous, d'accord? Alors, ma proposition est la suivante. Soufflant. Non, non, sérieusement. Non, mais j'ai envie de mourir, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, faudrait qu'on le garde sur nous pour cramer absolument tous les zombies que je croise. Au moins, je suis sûr qu'il y en a un minimum qui se relèveront, vous voyez? La clé, faut qu'on la garde. C'est simple, sinon on n'avance pas dans le jeu. Le sifflet, faut qu'on le garde parce qu'on va devoir appeler le chien à un moment donné. Mais si on appelle le chien, je me dis qu'il faut que j'ai un mélange d'herbes prêt sur moi. Le truc, c'est que si j'appelle le chien. Normalement, je devrais me débarrasser des sifflets après, je crois, automatiquement. Donc, j'aurai de quoi prendre, normalement, le truc. Le seul problème, c'est que. Ah, non, il y a un autre problème. L'autre problème, c'est que si je fais ça. Je sais pas. Il me semble qu'il y a des plantes dans le coin, en fait. Ouais, je joue avec mes connaissances du jeu. C'est pas non plus méga bien, entre guillemets. Et si c'est la dernière clé qui s'ouvre aussi comme ça, je devrais me débarrasser de la clé potentiellement.
Donc, techniquement parlant, sachant que je devrais, à mon avis, à 90% consommer le mélange d'herbes, vu que le chien va me bouffer toute la vie. C'est-à-dire que là, normalement, c'est worse de prendre le mélange. Après, s'il y a des plantes là-bas, mais je suis pas sûr qu'il y ait des plantes là-bas. C'est ça le truc. Il est là le piège. Je suis pas sûr qu'il y ait des plantes là-bas. On verra bien. Hein. Si je meurs contre le chien, j'aurai le seum. Est-ce que je sauvegarde? En fait, le truc, c'est que. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça un peu le piège. Est-ce que je sauvegarde? Ça me ferait chier, on a bien avancé. Non, ça me ferait chier Je veux dire, on est à côté, quoi, vous voyez. En fait, ça me fait un peu chier, c'est pour ça que je réfléchis. Depuis notre dernière sauvegarde, on a allumé le feu, on a fouillé le bureau, on n'a pas tué de zombies, c'est ça le truc aussi. C'est-à-dire que là, on a une sauvegarde, donc un danger, mais c'était long, vous voyez. Mourir, ça veut dire tout refaire. Laissez-moi faire juste une recherche, juste une seule. Je vais juste regarder. Heure de jeu. Enfin, mais durée de vie, quoi. Durée de vie. Hein. Durée de vie. Resident Evil 1. Ah ouais! Ouais, d'accord. Pour quelqu'un de normal, le jeu a une durée de vie de 8 heures. Quelle est la durée de vie estimée pour un nouveau sur ce jeu qui le découvre sur PS4 et qui galère un peu? 6 heures. frérot. Ah non, mais. Ah, mais je suis vraiment une merde en fait. Ah mais je suis. Alors s'il fait 6 heures, on va directement sauvegarder. Parce qu'il me semble qu'un mode facile. Je vais regarder aussi également. J'avais déjà regardé, j'en souviens juste, il me semble qu'il y en avait 40, c'est pour ça. Resident Evil facile. Acheter. Il me semble qu'il y en avait 40, mais je ne trouve même plus la page. Il me semble qu'il y en avait une 40 et quelques, il me semble. Je pense que claquer une sauvegarde, c'est le choix de la sécurité. Bien, c'est vrai qu'il faut du coup que je prenne un ruban. Les gars, on a bien avancé, on peut se permettre de claquer une sauvegarde. En échange, on pousserait un peu le jeu jusqu'à 8 heures, d'accord? Promis. En échange de claquer une sauvegarde maintenant, on n'en fait plus de sauvegarde jusqu'à 8 heures. Ça a absolu ma vie là pour l'instant. Ok. Petite sauvegarde du coup. Vaut mieux être sûr actuellement, je pense, de mon choix et de claquer une petite sauvegarde. C'est-à-dire que je pense qu'on a bien bossé en fait là actuellement. Ce qui n'est pas faux. On a bien bossé.
Et tous ensemble, on peut repartir un peu plus sereinement. On va juste prendre ça. Hop. Oh oui, remplis la gourde, on t'inquiète pas là. T'inquiète pas, remplis la gourde. Ah bon? Ah bon, elle va depuis l'autre côté? Ah ouais? Peut-être qu'il faut que j'accède par là. J'ai plus tout me souvenir non plus, hein, excusez-moi. On va cramer le zombie. Il est par là, de toute façon je le sais. Si je pouvais éviter d'en avoir le plus possible sur mes côtes quand il est repopé. Bon, dans mes souvenirs, c'est par là du coup. La clé sert encore du coup, sinon on s'en serait débarrassé. Il y a un zombie là, il me semble, il y a un zombie. Quelle clé cette salle à quel moment? Ah, c'est pas celle à laquelle je pensais. Parce qu'en effet, je savais que cette porte-là menait ici, et donc en bas. Moi, c'est là qu'on doit aller. La porte est déjà verte de base. Pense qu'on va aller tuer le chien. Oui, on va le laisser venir.
Raison, au pire, j'ai claqué le poignard, hein, mais. Si je pouvais éviter de les claquer. Oui, bien sûr! Dans Resident Evil, en mode facile. Pas exagéré non plus quoi. Est-ce qu'il me fume? Est-ce qu'il y en a encore un autre? Pourquoi ils sont deux déjà? Ouais, vraie question. Qui s'est dit? Ça marche pas l'autre. Il doit être bloqué là. Oh, il y a ça devant moi. Pour moi, ça va être utile. Et bon courage à tous! On va même mourir. Bah, j'en ai pas besoin, mais je les aurais bien prises, quoi, vous voyez. C'est une chose de ne pas en avoir besoin, c'en est une autre, d'être en PLS par là, quoi. Gilles, Jack Tremont va faire la pire connerie de notre vie ici. Je me disais que bon, autant ouvrir cette porte ou quoi. Bon, là c'est GG à tous. Good luck et on se revoit de l'autre côté. Hein. Parce que là on va invoquer un putain de chien. Hop, je sais même plus comment on tire. Comment mourir comme des débiles, quoi. Sont deux? Pas dit qu'ils étaient deux par contre. Il y a écrit le serveur sur le truc. Il n'y a pas écrit les chiens. Il me prend collier. Je pense que je l'ai amplement mérité. Ils osent me poser la question en plus, comme si j'allais dire bah les gars, non. Bah les gars, si. On va se poser tranquillement dans le salon. Ah, parce que le salon, c'est cool. Oui, on va jeter le sifflet pour chien également. Il y a écrit probablement plus besoin de ça. Voilà. Et on va examiner ce truc-là. N'oubliez pas qu'il faut toujours examiner. Il me semble que ça s'examine. Clac. Il y a ça dedans. Exactement. Et vous savez quoi? Je me souviens ce que c'est que cet objet de merde. Chut, 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 frérot, il y a un bouton, on va appuyer dessus. Chut, chut.
Non mais je sais comment fonctionne cet objet, je m'en souviens extrêmement bien. Z, zoom avant. Je sais pas ce que c'est qu'un zoom, toi. Rien d'inhabituel. Je sais très bien que... Imitation de clé. Voilà, d'accord. Et donc là, il faut retourner techniquement dans la salle du chevalier, etc., etc., etc. Sauf que je suis quelqu'un d'intelligent. Ça se voit pas, je sais. Mais je vais retourner d'abord dans cette salle. Là, vous allez me dire, mais pourquoi? Bah, pour aller chercher du kérosène. Voilà. Comme je sais que normalement il n'y a pas de zombies sur le chemin, je peux normalement aller chercher du kérosène sans me prendre trois zombies sur la gueule. L'intelligence, elle est ici, les amis. Alors, du coup, on a encore besoin de cette clé. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout fait correctement, entre guillemets. On a encore ça. Après, je vais le remplacer. On a ce qu'il faut, je crois. De toute façon, j'ai pas besoin d'autres trucs là-dedans. J'ai même pas besoin de ruban encreur parce qu'en bas, il y a la salle de sauvegarde. On a ce qu'il faut, GG à tous. Je regarde, il n'y a plus de kérosène. Bon, on a fini le kérosène. En une fois. Mais au moins, les zombies vont pas pop sur notre chemin. Et ça, je pense que vous pouvez m'applaudir pour ce move en vrai. Neuf heures 33 déjà quoi. J'ai passé 1 heure à pas foutre énormément de choses. Hein. Là vous pouvez très bien me dire mais t'aurais pu courir frérot. Techniquement j'aurais pu. Mais j'avoue que je me pisse assez dessus pour courir quoi. Mais techniquement j'aurais pu courir. Ça marche. Ouais, non mais...
L'histoire est longue, mais si je cours, je le sens mal, quoi. Pas y avoir un ici? Je sens que si je cours. Déjà, en fait. Ok, non, il est bien ici. De base, si je cours, je sens que ma malchance va me tomber sur un zombie néané. En fait, surtout. Bah, le 3, quoi. Vous l'avez vu? C'est génial, ça. Mais je trouve que c'est pas très intuitif pour courir en vrai. C'est une touche. Je crois que c'est Shift pour. Je l'aime? Attends. Ok. Nickel. Vas-y, relève-toi. Ça me tourne avec 2 balles, ça suffit. Je veux juste me mettre là. Voilà, on va se mettre ici. Voilà. On va attendre qu'il se. Ah non, c'est bon. C'est des choses. En fait, c'est à moitié. En fait, c'est à moitié une découverte, à moitié, j'ai déjà fait. C'est-à-dire que techniquement parlant, cette partie, je l'ai déjà faite, sur le papier. Donc j'ai des bribes de souffle. Pourquoi le son a disparu? On va dire qu'il se relève pas. Hein. Donc techniquement, j'ai des bribes de souvenirs. Ah, j'en ai plus qu'une. Ça m'a même pas rempli en entier. Ok. Donc techniquement, j'ai des bribes de souvenirs. D'un autre côté, les trucs dont je me souviens plus, et j'ai jamais fini en fait surtout. Donc du coup, à un moment donné, je vais être en full découverte. Même si là, pour l'instant, je m'en souviens plus ou moins. Même si c'est plus pour l'instant, parce que c'est le début de début. Merde. Il y a même un casque. Par exemple, la clé du casque, je l'ai jamais eu, je crois. Par exemple, en bas, je sais qu'il y a une salle de sauvegarde, par exemple, en bas. Je sais qu'il y a un zombie juste devant mes souvenirs. Voilà. Qu'elle se relève pas. Ok, nickel. Te relève jamais, frérot. Je t'en prie, te relève jamais. C'est une étonnance. Ouais. Le seul truc où je me suis spoilé, c'est les araignées, parce que je veux pas jouer sans savoir si c'est des araignées. Donc le Resident Evil 3, ça va être horrible à mort à jouer, et le 7, j'en parle même pas. Mais le 1, je sais qu'il y a 2 salles avec des araignées, je vous dis pas la galère qu'on va y arriver. Hein, on va sûrement mourir et avancer de façon encore plus lente. Mais alors. Bon, techniquement, faut qu'on garde. De. Bah, techniquement, on peut jeter ça. Attends, il n'y a pas de kérosène dans cette salle-là, de toute façon. C'est plus. Hop. Une vieille machine à écrire. Non, pas encore, pas encore. On va pas savoir tout de suite, mais c'est verdad qu'on aura la clé. Il n'y a pas de kérosène dans cette pièce. Un lit qui a bien servi. Elle est comment la pièce? Nickel. Ouais, je compte tous les faire. Alors, pas d'affilée, parce que sinon mon cœur n'y survivrait pas. Mais ouais, dans l'objectif, je compte tous les faire au fur et à mesure. L'objet. Disons que. De base, étant mauvais au jeu, je l'ai fait en facile, mais pour compenser, le 7 et le 8, je les ferai en vert, quoi. Bon, le 7 et le 8, je vais mourir d'un arrêt cardiaque. Enfin, non, le 8 n'est pas vraiment horrifique techniquement. Le 8, je l'ai déjà fait. C'est le seul que je connais par cœur, d'ailleurs. Mais, est-ce que je garde le briquet? Non, de toute façon, ça servira à rien. Hop. Hop. Faisons-nous de la place, vu qu'on a des salles à aller fouiller. Y a pas. C'est pas dans cet endroit-là qu'il y a le placard à la con aussi. Ouais, on va aller prendre la clé avant, je pense. Hein. Faut que. On est là. Il me semble pas qu'il y ait de chien. Donc on va y aller sans sauvegarder. De toute façon, c'est même pas sûr qu'on puisse ouvrir les portes. Déjà, avant de s'affoler. Y'a pas de chien là, c'est ça? Y'a pas de chien. Tranquille. Ok, là, il y a un truc de taser ou une dinguerie de ce style-là, il me semble. Il me semble. Ah, merci du follow! C'est gentil! Alors comme je joue sur un écran différent, je sais pas qui c'est, je suppose que c'est toi, Freezer. Mais merci du follow, c'est bien gentil. Ça apporte un peu de soutien. comment est la pièce? Ok, il me semble qu'il y a des munitions. Bon, je suis même pas sûr, mais il me semble qu'il y a des munitions. Ah! Non, 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 il y a ça, il y a ça. Non, 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 ah, pardon. C'est pas un vieux meuble, ça. Prends ça. Merci.
Oui, c'est pas un vieux meuble ça. Je sais que dans 3, pour récupérer le fusil, c'est la même façon. Hop. Ouf. Oh, oui, il y en a 6. Excellent. Oh! Oh putain, je l'ai pas gardé. Oh, mais l'animal! Ok. Ok. Pas de panique. Pas de panique. C'est tout. Est-ce que la salle est. La salle est. Ok, on va retourner. On va voir si la porte d'à côté s'ouvre. J'ai envie de te voir jouer. Ah ouais? Je sais pas, moi j'ai pas hâte de voir la suite, tu vois. Après, j'aime bien la licence en vrai. Hein. C'est verrouillé. Une armure, ok. Là n'est pas trop le souci, mais. Après, j'assume moyen, quoi. C'est pas. Putain, ces fenêtres, elles vont se briser, quoi. C'est obligé qu'à un moment donné, elles vont se briser. C'est obligé. La malchance est de mon côté. Toi, tu vas pas te lever tout de suite, de toute façon, n'est-ce pas? Que si tu te levais maintenant, tu serais une merde, quoi. Voilà, exactement, t'as tout compris. Reste couché, quoi. Reste couché. Ok. Je sauvegarde pas avant la fin de ce stream. Même si c'est dans 20 minutes, je sauvegarde pas avant 20 minutes. Sauf si je me rappelle des chiens. Parce que si je prends un chien et que je meurs, je vais avoir le seum. Alors ça, on va pas en avoir besoin tout de suite. Parce que c'est à l'autre bout de du truc. On le fera sûrement demain, le coup du fusil, je pense. Les rubans encreurs, on va les garder. Attends, on a déjà 17? On a déjà quasiment la moitié des. C'est une fois qu'il y en a 43 dans celui-là. Donc si on a 43, on a déjà claqué 4, quasiment à la moitié de la possession des rubans encreurs. Ça m'est très bien. Ça, faut qu'on la garde. Ça, faut qu'on garde au cas où. Bah, je pense qu'on a tout. Ok. Non, pardon. Ah, j'oublie le principal. Ça va pas le faire, celui principal. Allons remplir ce truc. Il va se lever quand je vais sortir à un moment donné. C'est une dinguerie ce qui va me tomber sur la gueule quand ils vont se lever, les zombies. J'en étais arrivé à un stade où ils commençaient à courir, il me semble. Hein. Donc, bon. Ah, ils couraient pas tous, hein. Ça, c'est bien. Mais voilà, je vais courir, il n'y a pas de zombies. Putain, ça va se casser, ça aussi. Si, ça va se casser, c'est obligé. C'est obligé. De toute façon. Il me semble que les zombies se lèvent par étapes. C'est-à-dire qu'on dépasse, entre guillemets, une étape qui commence à se relever. Donc, effectivement, quand je vais prendre la clé, ça va être une première étape. Je suis à deux, là. C'est ça? Deux. Nickel. On a deux zombies à les cramer, on revient ici. On a le temps, on n'est pas pressé. Je retiens juste que les sites internet ont dit que si on avait du mal, on mettait 8 heures de jeu. Je suis déjà à 2 heures. Voilà. Et on n'a pas eu la deuxième clé. Anticiper, il est frappé au sol, ça t'évite de te faire surprendre. Au couteau? C'est ça la destruction de corps, c'est au couteau? Plutôt que l'incinération? Je suis pas. J'avoue que j'ai vu qu'il y avait deux étapes pour le faire, j'ai pas regardé comment faire la première quoi. Inutilisé. Si, il y a un cadavre devant, tu vas l'utiliser, Jill. Si. Si, merci. Et hop, il y en a en haut aussi, n'oublie pas. Ça rassure de plus les voir quoi. Enfin, ça ira mieux quand je le verrai plus du tout, mais. Pistolet qui fera cette cible. Ah! Ah non, moi je parle quand ils se relèvent après, quand on les a déjà tués une première fois, pas ceux qui sont déjà morts quand on arrive. Eux en général. Il est là. Je l'ai tué ici? Je vais pas l'avoir tué à ce moment-là, mais. Hop. Attends, je l'ai tué. Attends, j'ai tué un zombie et je l'ai tué par là. Pourquoi j'ai plus son corps? Celui-là, il va me péter à la gueule, c'est sûr, si je le chope pas. Ouais. Peut-être qu'on peut pas tous les cramer aussi, hein. Lui, je t'ai cramé, non, celui qui est là. Comme vérifié. Ok. Bon, admettons qu'il n'y ait plus de zombies dans cette pièce.
Admettons. Je vois ta tête là. Je sais pas, c'est bien une tête que je vois là. Je suis pas sûr. C'est le tapis qui est dégueulasse comme ça? Bon, admettons. Admettons, admettons. On va aller chercher le truc de fuel, puis on va chercher la deuxième clé. On peut courir de toute façon, je pense que normalement il ne va pas y avoir trop de malchance. Normalement. Pas allumer ça. Ok. Bon, ça je pensais qu'on pouvait l'allumer parce que c'était une lampe qui s'allumait comme ça. Ok. La moitié? T'inquiète, je le prends pas en entière là. Après, on va pas se mentir, hein. Devoir utiliser du kérosène pour brûler un zombie, c'est. Je sais pas, il y a des fringues, c'est du tissu, tu fous le feu, ça crame déjà bien, quoi. Mais bon, ce n'est que mon avis, quoi. Ne vous inquiétez pas, on va les utiliser, les deux de kérosène là. Parce que je vous rappelle qu'il y a deux zombies dans le couloir. On va aller. Ne vous inquiétez pas, ça va servir. C'est trop bizarre les changements de caméra. Hein. Vivement qu'on arrive à un jeu où on n'a plus ça parce que. D'ailleurs, raison principale de pourquoi on ne fera pas le zéro, pas vous mentir. Parce que le 0 c'est exactement les mêmes changements de gamme et caméra, il me semble que le 2 c'est déjà un peu différent. Ok. Donc là normalement, pour moi, il y a deux zombies qui se réveillent. Il y en a deux en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils vont se réveiller? Je suis littéralement sur les deux là. Merci, c'est gentil. Bien, tu n'auras jamais assez de kérosène pour tous les zombies. Oui, non, mais ça je me doute, même si j'espérais que si, mais je me doute que, ok, je comprends. Après, j'espère au moins que je pourrai en cramer le plus possible, quoi. Pour... Oh putain de merde! Non, mais c'est quoi ça aussi? Ah, mais il court en plus! Ah, mais l'enfoiré, il court, il pique des sprints! Rouge comme l'enfer, non mais. Féro, il pique des sprints celui-là, il a commencé. Laisse-moi prendre ma clé avant de me faire des sprints normalement. C'est la deuxième étape les sprints, hein. Il a pas à faire peur comme ça, espèce de malade. Crame, crame tranquillement. Il vient plus jamais me faire chier. Ok. Bon, bonne nouvelle. C'est une beauté, c'est hyper, il vient de te gifler. Ouais, non mais. Normalement, la nouveauté, c'est qu'on change d'étape, pas. Ils vont tous les deux disparaître. C'est nickel. Bon, il me semble que c'est cette clé-là qui demande à être remplacée. Donc, on va commencer par celle-là. Pas d'inquiétude, de toute façon. Moi, j'ai été jusqu'au serpent. Tant qu'on voit pas le serpent, dans l'original, il n'existait pas. Ouf. De toute façon, je peux pas critiquer la nouveauté parce que déjà c'est plus beau, déjà. Et surtout dans le 2, je sais qu'ils ont enlevé les araignées du coup, dans la nouveauté. Donc je peux pas critiquer les nouveautés, pour moi c'est dans le bon sens. Mais j'aimais bien quand ils couraient pas, quoi. Oui. Dites-vous que dans la première version, je suis mort au moins 20 fois avant de comprendre qu'il fallait la remplacer et comment on l'a remplacée. Ces raccourcis fonctionnent, 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 fonctionnent. Appelez! Et voilà. C'est propre. Par contre, si j'ai reposé l'original, je suis une merde. Mais j'ai pas reposé l'original quand même dans la panique là. Clé du manoir. GG à tous! Je veux qu'elle avance encore. Je paniquais. Ok, on va aller sauvegarder dans la salle de soins. Puis je pense qu'on va s'arrêter là, je crois. Hein, attendez, il y a rien. En fait, ce que je comprends pas, c'est que j'ai encore une clé. Donc si je l'ai encore, c'est qu'elle ouvre encore quelque chose. Elle ouvre pas la porte qui est là-bas quand même. Je sais même plus si je l'avais déjà ouverte cette porte qui était au fond.
Si je sais plus ce qu'il y a derrière, déjà, c'est bien. Alors, bonjour. Je viens pour passer par là. Dites-moi que la porte, pour le calme, s'il vous plaît, elle ne s'ouvre pas. C'est verrouillé dans un casque. Tranquille. Ok, il y a la porte d'en bas. Ok. Alors voilà, ok, ça je m'en souviens de cette pièce-là. Là il y a un placard, il y a le zombie dedans. Ok, ça c'est la pièce avec le tigre. Tigre que j'ai jamais résolu d'ailleurs, je sais pas comment ça se passe. Ça c'est la pièce où il y a un piano, il me semble, dedans. Ça c'est la pièce avec la plante, si je me souviens bien. Ça je m'en souviens plus. Ça c'est les masques. Ça je sais plus. Ça c'est le chien. Et là, c'est là où je vais mourir de peur au moins 24 fois, mais t'as quel âge, j'ai 21 ans. Ouais, non, mais à 21 ans, je bouge comme ça. Ouais, c'est normal. On va aller sauvegarder, puis ouais, on va s'arrêter là. Si je relance un stream dans la soirée, ce sera sûrement pour les Gardiens de la Galaxie, plus que pour Resident Evil. Puis demain, on enchaînera tous les jeux. Hein. Puis un petit reportage demain, peut-être. Je sais pas, on verra. On verra à quelle heure je lance. Faut que je fasse le montage aussi de Ryan King. Bonjour. Là, tout joueur normal qui n'a pas peur devrait passer cette porte et avoir les deux zombies. Moi, je passe cette porte et j'en ai aucun. Nickel. On peut avancer tranquille. Est-ce qu'il reste des portes dans le coin qui sont pas ouvertes, en vrai? Là, celle-là, on peut pas l'ouvrir. Et on peut pas l'ouvrir, celle-là. On va aller la voir vite fait, avant de sauvegarder. Là, si je devais mourir, j'aurais le seum. Mais en fait, c'est surtout ça le problème. Au-delà de la peur que j'ai, qui est naturelle, parce que j'ai peur d'absolument tout dans les jeux vidéo, c'est surtout de crever et de devoir tout recommencer. C'est ça qui me fout plus le mort, en fait, dans ce genre de jeu. Moi, ça me manque, sauvegarde automatique. Il faudrait une option de sauvegarde automatique, au moins. Ça foutrait un peu moins de mort quand on meurt, quoi. Il n'y avait pas un zombie par là? Personne, hein. Nickel. Et puis l'autre côté. L'autre côté. Il y a quoi de l'autre côté? J'ai une pièce ici, là. Et comment je peux y accéder? Ah, il n'y a pas un espèce d'ascenseur. Ah, peut-être un ascenseur qui remonte par là, peut-être. Peut-être l'ascenseur. Du coup, par où est-ce qu'on repasse, du coup, là? Non, ça nous sera la plus proche, c'est les escaliers, de toute façon. Par là. Quoique j'étais plus proche par là. Hein. Et voilà. On va aller se garder tranquillement pour savoir. On a fait un peu jeune pour avoir connu les premières erreurs. Ah oui. Non, j'ai pas connu. Moi j'ai connu. Je me suis intéressé à Resident Evil après. Bah, avec le 7 quoi. Puis j'ai vraiment joué. J'ai joué au 8 avant le 7. J'ai regardé les gens faire le 7, j'ai joué au 8. Vous savez pourquoi je suis pas d'accord? Parce que j'ai pas vu le cadavre, donc j'aurais dû le cramer. Je peux pas mourir sur ça. J'ai trop poignard de toute façon, même si il me semble que j'ai trop poignard, je m'en tape. Parce que là il court, hein. Quoi? Pas normal ça. Ok, je vais sauvegarder. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. Qu'est-ce que ça me fait? Il y a encore un chien de l'autre côté de la porte? Ah! Oh, j'ai loupé! Gilles, concentre-toi. Propre. Bah attendez, headshot il serait. Non mais. Je vais juste voir un truc. Alors déjà on va recharger parce que depuis le temps que je tire. Ok. Normalement, si la tête est décapitée et qu'elle reste explosée, normalement il ne revient jamais à la vie.
Bon, c'est glauque comme détail, mais il faut que je sache. Il a pas de tête. Il a pas de tête. Mais dans le doute. Ah, bah, j'en ai zéro de toute façon. Très bien. Bon, s'il repop, c'est pas normal. On va aller chercher notre kérosène et on va sauvegarder. C'est pas un zombie à droite quand même là. C'est mon ombre à moi ça? Apparemment. Donc j'ai eu peur de mon ombre. Très bien. C'est toujours agréable. De toute façon, je panique, mais j'ai trois poignards et un taser. Donc normalement, même si je me faisais choper, ça devrait aller. Je panique comme si c'était la fin du monde, mais. Y a des chiens qui vont briser ces vitres un jour. Passer maintenant ici. En vrai, go. Hein. On y est. Ça m'étonnerait qu'on meure avec ce qu'il y a dans cette pièce. Ah mais si c'est ce détail. Ah c'est long. C'est long, faut que je mange à 8h. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les zombies. Alors, je suis jamais arrivé à l'étape où il brise la vitre. Mais dans ma tête, c'est une logique inouïe qu'il brise cette vitre à un moment donné, quoi. Ouais, il y a la plante et tout. On fera ça demain, la plante, tout ça. Hein. Ok. J'ai oublié que c'était cette porte-là. Il y a la chambre aussi à fouiller. Non, on va d'abord aller sauvegarder. Ça fait déjà 1h30. Moi, faut que j'aille manger. Et si je veux relancer après, faut que je sois prêt. Donc on va d'abord recharger le kérosène. Demain, on va essayer de. Ce serait pas mal que demain on fasse le serpent en vrai. Je sais plus où est-ce qu'on en est du serpent. Là, pour le premier combat, bien sûr, hein, pas le deuxième. Il reste environ la moitié du kérosène. Vas-y, rempli, rempli. Hein. C'est pas. On va aller sauvegarder ça. Ça va, aujourd'hui j'ai pas crié, c'est déjà une bonne chose. Si, je suis. Si, remarque, si, si, celui qui s'est levé, j'ai une petite frayeur quand même. La dynamique, le montage vidéo, pas de problème. Je verrai si je sors Resident Evil avant ou après Pokémon Réunion. Ça dépendra de la sortie de Pokémon Réunion déjà. 8h, on a du mal. Je vais mettre plus de 8h, moi. C'est sûr. C'est tellement sûr, me connaissant. Ok. Bon, on va tout garder. Attendez, est-ce qu'on a des trucs? Alors ça, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Si! Si, 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 ça sert au piano. Ça sert au piano. Il me semble que ça sert après le piano dans la salle en dessous de la plante. J'ai encore des trucs là? Ah oui, j'ai le fusil cassé. C'est vrai qu'il veut qu'on fasse le fusil aussi. Hein. On verra demain comment on s'organise, dans quelle ordre on fait les choses. Demain, on sera méthodique. On regardera les maps et on. Il y a quoi de papier? Je peux lire papier? Apparemment pas. Ok. Bon. Ça me va, ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça me va. Du coup, ce que je vous propose, si je relance un stream, je le relance vers 22h30 maximum. On fera 1h30 des Gardiens des Galaxies. Jusqu'à minuit, du coup. Et demain après-midi, on essaye de se tenter un peu de Mario Maker dans le sens où il faut qu'on essaye d'avancer un peu de niveau des gens. Il faut que j'essaye de voir si je retrouve le papier. Je suis désolé, ceux qui me proposent des niveaux, j'ai perdu le papier. J'essaierai de tout faire pour le retrouver. Enfin, il n'est pas perdu. Juste comme j'ai déménagé toute ma chambre, actuellement, je n'ai pas le papier sous la main. Je le retrouverai, vous inquiétez pas. Donc on essaiera du Mario Maker, on essaiera du Resident Evil, on essaiera du Pokémon Steam et des Gardiens Galaxy. Et si j'ai le temps et que je démarre le stream assez tôt, on essaiera de placer un reportage ou un truc comme ça. Voilà ma proposition. Du coup, les amis, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve dans la soirée pour un jeu beaucoup moins horrifique. Et puis voilà. Donc les amis, à tout à l'heure, passez une bonne début de soirée et bon appétit.